Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau pas à pas. Nous allons faire une poupée. Pour faire cette poupée, il va vous falloir de la laine. Donc, si vous connaissez mes vidéos, vous connaissez ma passion pour la Bingo First en 3,5. Donc, il va vous falloir une noire, une chair, une blanche, mais aussi un carton. Un morceau de carton, un ciseau et un crayon papier. Et bien évidemment, un crochet en numéro 3. Et bien c'est parti. On va commencer par faire une maille chaînette parce que nous allons commencer par le pied. Donc vous allez m'entendre compter de façon un petit peu étrange. Mais c'est la seule façon que je connaisse pour ne pas me tromper. Donc je dis angle 1, ensuite 5, 1, 2, 3, 4, 5, angle et 3 supplémentaires, 2 et 3. Et là, je tiens mon angle. Donc, ce qui fait, dans la réalité, 10 mailles. Mais comme mamie part un petit peu, pas toujours bien droit dans sa tête, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour ne pas me tromper. Donc, dans cette réellement 7e maille, on va venir faire 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Ensuite, nous avions 5 mailles pour le corps de la chaussure. Pour la semelle. Donc 1 2 3 4 et 5. Et ce que moi j'appelle angle, c'est en fait la maille de bout de fin de rang qui va nous servir à faire toutes les mailles qui seront en augmentation. Donc là, dans la dernière maille, on va faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nous allons travailler de façon symétrique. Donc, on va mettre le fil le long. Et là, on va venir piquer. Chaque fois qu'on a une bride, on pique exactement au même endroit. Donc ici, nous avons notre première bride, 1. Alors je sais que le noir, c'est toujours très problématique. 2. 3. 4. La cinquième. Et là, on se retrouve avec la maille que j'aime bien appeler angle, mais en fait, c'est la dernière où nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Bon, comme nous avons bien sécurisé le fil, on peut se permettre de le couper. Voilà. Maintenant, nous allons faire une maille coulée. On va fermer le rang en faisant une maille coulée. Pourquoi est-ce que ça pourrait être simple quand ça peut être compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons monter. Excusez-moi, je suis en train de regarder dans le retour caméra que c'est très très sombre. Bon,
Écoutez, j'espère que vous allez voir correctement. Donc, vous faites deux mailles en l'air. Et là, nous allons faire dans la même maille une bride. C'est donc une augmentation. Dans la maille d'après, on va faire deux brides. Donc, une augmentation. Dans la maille d'après, on fait encore deux brides. Donc, une et deux. Et là, nous faisons nos 5 brides. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. À présent, dans la maille que j'appelle angle, toutes les brides qui se présentent, c'est-à-dire les 6, on va faire des augmentations. Donc, une. Quand je dis une, c'est une augmentation. Hein. Deux. Donc, deux augmentations. Trois. Quatre. Quatre augmentations, 5 et la dernière augmentation, la sixième, 6 augmentations. Voilà. Maintenant, de façon symétrique, on va devoir faire nos 5 mailles, nos 5 brides, pardon. Donc, une, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous pouvez voir que les mailles qui nous restent à travailler sont les mailles qui appartiennent à mon fameux angle. Donc, on va faire 3 augmentations. En bride, hein, donc une, première, deux, et la dernière augmentation est de 3. Voilà. Ici, nous allons faire une maille coulée. Et voilà avec quoi vous devez vous retrouver. Nous avons donc à présent une première semelle. Notre carton va rentrer en jeu. Il va nous servir. Alors, vous allez poser la semelle sur le carton. Et là, vous allez venir faire le contour. Alors, c'est mieux quand le carton est un tout petit peu épais. Des fois, les cartons sont un petit peu trop fins et ça ne sert pas réellement à grand chose. Donc là, vous faites grossièrement le dessin de votre semelle. Vous allez la découper. Peaufiner. Et il va falloir quand même que, pardon, il va falloir quand même que vous coupiez un, on va dire 2 mm en moins. Voilà, hop, ici. Tout à l'heure, dans les éléments que vous aviez besoin, j'ai oublié de vous signaler qu'il va vous falloir bien évidemment de la ouate pour bourrer ou des morceaux de laine ou tout ce que vous utilisez habituellement pour bourrer, bien évidemment. Il vous en faudra bien sûr une seconde. Donc là,
vous allez utiliser là. Si vous avez déjà retiré vos 2 mm, ce ne sera pas la peine de le faire sur la seconde. Et moi je note coupé en cours parce qu'il y en a tellement que elles ont toutes des prénoms et après je ne sais plus où je suis. Donc voilà, donc je sais que ce sera ma deuxième semelle. Allez, maintenant qu'on a la semelle, on va pouvoir continuer. Ici, nous allons venir travailler donc une maille en l'air. Et maintenant, on va venir travailler uniquement sur les brins arrière. On va travailler en maille serrée sur les brins arrière. Donc, c'est parti. On se retrouve à la fin du rang. Donc, arrivé à la 32e ici maille serrée, nous allons faire une petite diminution. Donc sur la 33 et la 34e, on fait une diminution et notre maille coulée. Donc on a à présent 33 mailles serrées, on soit d'accord, hein? Donc maintenant on va monter 3 rangs sans augmentation, sans diminution. Simplement, sur le premier, quand on arrive à la fin ici, on va faire encore une diminution. Donc, j'espère que je suis claire. On part simplement, ne vous prenez pas la tête, on part, voilà, là, en maille serrée. Donc, vous allez me faire presque tout le rang. Arrivé ici, les deux dernières, ça sera une diminution. D'accord? Allez, c'est parti. Là, c'est pas du brin arrière, hein, c'est la globalité du brin que vous prenez. On se retrouve à la fin du rang. Quoi, presque à la fin du rang. Voilà, ici les deux dernières, on va en faire une diminution parce qu'il nous en faut à tout prix 32. Voilà, c'est important pour le compte. Voilà, alors écoutez-moi. Ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît. S'il vous manque des mailles, si vous en avez en trop, dans tous les cas, quand vous arrivez là, au bout, vous réajustez, vous retirez, vous ajoutez. Vous n'allez pas vous prendre le cerveau pour deux mailles, pour une maille qui vous manque, deux mailles qui vous manquent. Il vous en manque. C'est pas un souci, vous en rajoutez une. Vous en avez une de trop, c'est pas un souci, vous la retirez. Mais tout doit se passer ici dans le talon. Parce que là, comme on va faire des diminutions, ça va être le haut de la chaussure, il faut que ce soit nickel. Donc, tout ce que vous aurez à faire, vous le ferez ici. Ok? Donc là, on a fait notre première, il faut encore faire deux rangs à 32 mailles. 32 mailles serrées, bien évidemment. Hein. Attends, hop. J'ai pas fait ma maille en l'air. C'est parti, on se retrouve à la fin du rang. Et voilà que nous arrivons à la fin de nos 32 mailles. De nos 3 rangs supplémentaires. Alors, techniquement, on n'est bien évidemment pas au 5e rang, hein, parce qu'il y avait ces 2 rangs-là. Mais on va partir du moment où on a fait les 32 mailles en fil arrière. Donc, on va dire qu'à présent, nous allons entamer le 5e rang. Ici, donc, pour ce 5e rang, on va faire une maille en l'air. 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons faire 8 diminutions. Donc, une première diminution, deux, trois, quatre,
5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on finit avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Alors, ceci normalement serait la fin de la chaussure. Si vous voulez faire une autre sorte, vous pouvez très bien ici commencer en couleur chair ou blanc pour faire des chaussettes, mettre une petite lanière, c'est à vous de voir. Donc maintenant, nous allons faire 8 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et maintenant, nous faisons 4 diminutions. Donc, une, deux, trois et quatre. Et c'est reparti pour 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Notre maille coulée. Alors là, pareil. Si par hasard vous veniez à dévier, vous retrouvez un petit peu plus loin ou quoi, revenez en maille coulée. Parce que l'important, c'est que vous soyez toujours centré par rapport à l'arrière de la chaussure. Et pourquoi vous prendre la tête à tout redémonter 100 fois? Vous êtes un petit peu décalé, vous revenez, vous tournez comme ça, tac, 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 vous faites de la maille coulée et vous retrouvez en bon endroit. Quand vous allez travailler le rang d'après, la maille coulée, vous allez l'absorber dans le rang. Donc, ça se verra même pas. Très bien, donc maintenant nous en sommes au rang numéro 6 et donc on va devoir mettre la semelle. Alors on prend notre semelle, on tire un peu le fil. Alors là, dites-vous bien qu'il va y avoir plusieurs réajustements, hein. C'est pas une science exacte non plus. Il est fort possible que ce soit trop grand, bon trop petit non, hélas. Mais trop grand, c'est fort possible. Voilà, on la positionne. Et bien voilà. C'est léger. Hein. Alors ça, vous voyez, c'est une très mauvaise idée parce que je l'ai mise à l'envers. Et bien évidemment, on voit le jaune. Donc ça va pas être beau. Donc je vais la tourner. On peut mettre un petit coup de feutre si vous voulez. Mais bon, généralement, le marron, après, ça passe bien. Voilà, bon, on va dire que c'est relativement bon. Oui. Voilà. Vous voyez, ça va vous permettre une bonne assise quand la poupée sera debout. Voilà avec quoi vous devez vous retrouver. C'est sûr, vous voyez pas grand-chose. C'est tellement foncé que j'essaierai d'éclaircir tout ça. Si ça sature en blanc, ne vous inquiétez pas durant la. Si quand vous regardez la vidéo, c'est saturé de blanc, c'est normal, c'est que je fais de mon mieux pour que vous puissiez voir sur le noir. Donc là, nous entamons le rang numéro 7 avec une maille en l'air. Nous allons faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons faire 2 diminutions. Alors, une première,
Une seconde. Et là, on repart pour 8 mailles serrées. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et 8. On fait notre maille coulée. À présent, nous allons faire une maille en l'air et là nous allons faire une diminution. Alors, on pique dans la même maille, on va dans la maille à côté et hop, on fait notre diminution. Ici, nous allons faire deux mailles serrées. Une et deux. Maintenant, on refait une diminution. Nous faisons à présent 7 mailles serrées. Une. Deux. Excusez-moi, je vois pas très très bien. Donc maintenant, on fait encore une diminution. Hop. Hop. Et là, on fait nos trois mailles serrées. Une. Deux. Et trois. Une maille coulée. Ou pas. Au choix. Tant qu'à faire. Voilà. Donc c'était pas plus simple que ça marche au départ. Voilà. Maintenant on fait une maille en l'air et nous allons faire un premier rang de vérification que nous avons bien nos 15 mailles. Parce qu'il nous faut 15 mailles. Donc une. Maille serrée bien évidemment. Hein. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si vous n'avez pas 15 mailles, je ne veux pas vous entendre râler. Attention, vous m'en rajoutez une, vous m'en enlevez une. Si ce n'est une, ce n'est deux. Mais vous n'allez pas vous prendre la tête pour si peu. Vous ne me redémontez pas tout. Si c'est, bien sûr, pas au-delà de deux. Hein. Au-delà de deux, ça va être un petit peu compliqué. Mais je ne veux pas vous entendre râler. Allez, c'est parti. Vu qu'il y en a 15, on peut faire maintenant les deux rangs suivants décontractés. On se retrouve à la fin du deuxième rang. Une. Deux. Allez, c'est parti pour la quatorzième. La quinzième. La maille coulée. Voilà. Là, nous avons fini la partie de la chaussure. Maintenant, il faut rembourrer. Alors, petite astuce, vous allez rembourrer bien évidemment avec ce que vous voulez, mais ce qui va se passer, donc je vous disais que ce qui risquait de se passer, c'est que si vous utilisez de la ouate, on risque de l'avoir à travers la chaussure. Donc, ma petite astuce, c'est d'avoir un petit peu de laine, vous voyez. Immanquablement, quand on rembourse sur du noir, on va l'avoir.
Donc, rembourron, rembourron. Mi. Ce qu'on va faire, du moins pour tous les gens qui sont embêtés parce que ça se voit et parce que c'est pas très esthétique, on va dire, hein, soyons honnêtes, on va prendre des bouts de laine qui nous restent et on va venir les placer sur la partie supérieure de la chaussure pour pas qu'on voie le blanc. Vous voyez, hop. Oh, c'est magique, ça disparaît. Comment c'est trop bien, comme dirait mon petit-fils. Voilà. Et bien, voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une petite chaussette. Alors, pour ça, on va couper le fil noir. On va prendre du fil blanc. Excusez-moi, il me restait un peu de rembourrage. Non pas que je sois maniaque, mais c'est toujours plus simple quand le plan de travail est un petit peu dégagé. Donc, voilà. Ici, nous allons venir. Alors, je sais que d'habitude, je vous dis, ne vous prenez pas la tête, on va y aller à franco, tranquille et tout, mais vous savez quoi? Je vais vous demander d'utiliser une technique qui est un petit peu du changement de couleur, pas si invisible que ça, hein, faut pas rêver non plus, on n'est pas avec des crayons de couleur où on peut tout fondre, mais c'est déjà pas mal. Vous allez venir, une fois que vous avez mis votre maille en place, votre laine blanche en place, d'accord, vous allez venir. Oh, toi, je sens que tu vas m'énerver, toi. Ah ben oui, mais écoutez, vous savez c'est qui ça? Ça, c'est ce qui sert de cache-misère. Lui aussi, il va aller avec. Il n'y a rien de plus pénible que des fils qui traînent et qui vous empêchent de travailler correctement. Allez, bon, revenons à nos moutons. Pour faire un changement de couleur, non pas invisible, mais un petit peu mieux que ce qu'on peut faire, vous allez venir piquer uniquement dans la maille arrière. D'accord? Vous me faites donc des demi-brides, mais uniquement prises dans les mailles arrière. Donc, il nous en faut 15, hein, on est bien d'accord. Ça, on ne déroge pas à la continuité. Donc, là, nous en sommes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 et la 15e. Alors oui, cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, mais vous êtes en train de vous investir dans un boulot compliqué. Je voudrais vous expliquer assez bien pour que vous soyez satisfaite du résultat. Et là, on fait notre maille coulée. Maintenant, on ne se prend plus la tête avec la maille arrière, on repart pour un rang de 15 mailles et on se retrouve à la fin. Voilà, on a fait le tour, on fait notre maille coulée. Hop. Vous voyez, je trouve que je suis un petit peu en décalage. J'ai pas l'impression que je sois bien au bon endroit. Donc ce que je vais faire pour me mettre un petit peu mieux,
je vais venir faire une maille coulée. Ça ne change rien, ça ne bouscule rien à mon travail, simplement ça me recentre. Voilà, maintenant on va encore changer de couleur. Allez, on coupe. On prend cette fois-ci la couleur chair. Et là, on va faire exactement la même chose pour éviter que ça se voie trop. On va venir travailler en maille arrière. Donc on fait le changement de couleur. Ça aussi, le changement de couleur, il faudrait que je vous fasse des vidéos avec des techniques un petit peu plus professionnelles. Mais bon, on n'est pas là pour faire du professionnel, on est là pour se faire plaisir et pour une majorité de débutantes qui veulent se faire plaisir. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça sera à la méthode débutante. Allez, c'est parti. Maintenant, on va venir travailler dans la maille arrière et on va venir faire nos 15 mailles serrées. Bien évidemment, si je ne spécifie pas, vous savez que tout est en maille serrée. Hein. Venez pas m'écrire dans les commentaires, oh, tu m'avais pas dit, mamie. Non, 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 c'est tout de la maille serrée et vous le savez très bien. Voilà, bande de coquines. Et de coquins éventuellement, je sais pas. Allez, c'est parti, on arrête de papoter. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et 15. Voilà, la 15e. On va rentrer celui-ci. De toute façon, comme il faut bourrer, là maintenant, on fait notre maille coulée. Voilà. Donc vous voyez, ça fait le pied, la jambe qui est dans la chaussette, qui est dans la chaussure, avec quand même un petit peu moins de démarcation, ça fait un petit peu plus propre. Maintenant, nous allons partir pour un long périple. Donc nous allons faire 13 rangs en couleur chair, sans augmentation, sans diminution. C'est parti. À de suite. Je voulais juste vous donner une petite précision. Quand vous montez comme ça, quand vous êtes en train de monter, le travail tourne. Vous voyez, on voit que c'est en train de partir. Si ça va devant, ça va être moche. Donc, comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas. Ça tourne, ça ne me plaît pas du tout. Je viens me repositionner grâce à des mailles coulées dans le bon axe. Quand j'arriverai ici, on verra même. Quand j'aurai fini mon tour, on verra même plus les mailles coulées. Donc surtout n'hésitez pas. Allez, on continue. Voilà, et eh bien afin que nous puissions progresser ensemble, il va falloir que vous fassiez la seconde petite jambe et pas faire la bêtise que j'ai fait moi par contre de faire sur deux journées différentes les jambes et de couper de deux façons différentes les cartons qui fait que j'en ai une plus grande que l'autre. Donc c'est simplement le travail est le même, mais j'ai pas coupé les cartons au bon moment et ça fait que j'en ai une qui est un petit peu plus grande que l'autre. Bon, ça se voit pas, ça fait, c'est quoi, c'est 5 mm, mais bon, c'est un petit peu gênant. Après, vous voyez, on est exactement au même endroit, tout est pareil. C'est vraiment à la limite, il y a que moi qui vais le savoir. Très bien, ben écoutez. On va arrêter là cette vidéo. On continuera le corps dans une prochaine. Je vous laisse le temps de faire les jambes. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, hop hop hop, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous.